Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo haul. Donc, ce sera une petite vidéo parce que j'ai pas fait des gros achats. Il y aura du Kiabi, du Stokomani et je vais aussi vous partager quelques petits cadeaux que j'ai eus. Donc, on va commencer de suite avec Stokomani parce qu'il n'y a que 4 articles. J'ai pris des boutis à ma fille. Donc, j'ai pris du 18 mois en manche longue. À la base, je voulais des manches courtes en 12 mois ou 18 mois, il n'y avait rien. Là, ils ont sorti toutes les manches longues, c'est normal. Après, on va être en automne, tout ça, mais bon, j'aurais aimé trouver des manches courtes. Donc, il y a 7 body pour 14,99 €, donc c'est plutôt raisonnable. Je vais vous montrer quand même les dessins. Alors, j'ai pris des couleurs, ça me plaît. Voilà pour le premier. Ils sont plutôt pas mal en plus ceux de Stoco. Et de toute façon, ça sera en dessous des vêtements. Donc, à part au début, lui il est tout blanc. À part au début qu'on les verra un peu, si on met juste un boutier avec un pantalon quoi, ma foi on les voit plus. Donc, après, pour mon copain, je lui ai pris des chaussettes. Parce que celles pas trop chères que j'ai prises la dernière fois ne font pas. Donc j'ai pris des Kappa. Il y a 5 paires pour 5,99 €. Et après, j'ai pris deux lots comme ça. Vous savez, elles remontent un tout petit peu. Donc je me dis qu'avec les chaussures de sécurité pour le travail, c'est pas plus mal. Là, il n'y a que 3 paires par contre. 4,99 €. Bon, après, elles ont l'air un tout petit peu plus épaisses. Donc c'est peut-être pour ça. Donc voilà. C'est tout bon pour Stoco. Maintenant, on va passer à Kiabi. Donc Kiabi, j'y suis allée pour des bodys. Donc j'ai pris trois lots. Hop, des lots comme ça. On va les montrer comme ça déjà. Donc ils étaient tous 8 € le lot. Il n'y en a que 3 dedans. Donc, vous voyez par rapport aux autres, parce que j'en ai 7 pour 15 €. Après, c'est... Vous savez, c'est le coton... C'est les cotons issus de l'agriculture bio. C'est leur gamme à Kiabi là qu'ils ont fait il y a un petit moment quand même. Ils sont super bien. Donc c'est pour ça que j'ai pris. Hop. Donc lui il est tout simple et il est un petit peu, je sais pas si vous verrez, un petit peu côtelé. Oui, on voit. Donc ça je les ai pris en 18 mois parce que 12 mois quand j'ai regardé les centimètres, je me suis dit ça peut être un petit peu petit. Donc j'ai pris 18 mois. Vaut mieux que ça soit un petit peu grand. Voilà, tout simple. Parce que là, elle en a peut-être 2-3 en 12 mois et tout le reste en 9 mois et c'est trop petit. Quand je lui mets. Hier, j'avais mis un body avec une jupe. On voyait tout cet été. Parce qu'il était trop serré. Hop. Donc, ça, c'est le premier lot. Il est mignon celui-là. Ils en font quand même des jolis. Celui-ci, j'ai beaucoup aimé. Vous voyez, un petit peu ajouré là. On voit que ça fait des... Trop mignon. Voilà. Et le dernier lot, je pense que c'était un peu garçon. Enfin, pour moi, c'est mignon. C'est ma copine qui l'a trouvé celui-là. Elle m'a dit, regarde, celui-là, il est mignon. Ça fait mixte quoi. Après, de toute façon, là, les bottines, la plupart du temps, j'y mets pour dormir là, vu qu'il fait chaud. Et après, ils seront sous les t-shirts. Donc, pour dormir, au pire, j'y mettrai ceux qui font un peu plus mixte. Et les autres, en journée, si je mets des jupes ou des petits shorts. Donc, voilà pour mes achats. Maintenant, je vais vous partager les petits cadeaux que j'ai eus. Donc j'ai eu des cadeaux de la part de ma copine Léa, qui travaille à Adopt. Donc j'ai plein de petits trucs. Et j'ai eu quelques cadeaux aussi de la part d'une abonnée, donc Ludivine, si tu passes par là. Je parle assez souvent d'elle du coup dans mes vlogs, parce que du coup elle m'a envoyé des petits cadeaux et qu'on se parle pratiquement tous les jours sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram.
On peut parler en message privé et tout, c'est avec un grand plaisir. Du coup, je vais commencer par Ludy, montrer ce qu'elle m'a offert. Donc, en premier temps, elle m'a offert ce petit bracelet. Il est trop beau. Moi, je ne l'ai pas mis aujourd'hui parce que je voulais le montrer dans son... Il est trop beau, je vais le mettre. Hop. Après, tout est en acier, il me semble. Après, si je me trompe, n'hésite pas à commenter. Les petites boucles d'oreilles. Alors, ça... D'ailleurs, je suis bête, j'aurais dû mettre celle-là. Ça aurait fait joli. Attends, je changerai tout à l'heure. Il y a la petite bague. Trop mignon. Alors, je vous montrerai à côté de l'autre, mais... C'est trop kiki. D'ailleurs, je pense que... Ah ouais, elle me va dans ce bug. Écoutez, on va rester comme ça. Le petit collier que je porte. Voilà, il vient aussi d'Adopt. Je suis trop fan. Encore merci. Du coup, on va passer à ma copine Léa. Du coup, elle m'a pris ce petit bracelet. C'est le même style que celui-ci, au final. Mais sauf qu'il y a une petite lune. Je vais dire une petite étoile. Voilà. Après, elle m'a pris une petite... Alors, le bracelet, il est à 12,99€, si vous voulez savoir. Elle m'a pris une petite bague. Avec des feuilles de... Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je ne sais plus. Voilà. Voilà. Donc, il était soldé à 3€. Des petites boucles d'oreilles. Vous savez, ça me fait penser un peu à la bague que j'ai pris style œil du tigre. Voilà. 3€ aussi. Elle m'a pris... Alors, hop. Elle m'a pris des petites boucles comme ceci. Vous verrez bien. Voilà, c'est pas pratique. Hein. Et un dernier, celle que j'ai aux oreilles. Ils avancent. Des petits coquillages. Voilà. Donc, merci à toi, Léa. Encore une fois. Bah, écoutez, on a terminé avec ce haul. Donc, vous voyez, il n'y avait pas beaucoup de choses. Et beaucoup plus de cadeaux, je crois, que ce que j'ai acheté. Donc, je vous remercie toutes les deux encore une fois, ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et aussi me suivre sur Instagram, ça sera avec plaisir. Écoutez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!